Bees. How are you, gentlemen? All your bees are belong to us. You are on the way to destruction. Ok, c'était pas celle-ci qu'il fallait que je lance. Space. I'm escaping to the one place that hasn't been corrupted by capitalism. Space! Ok, normalement ça devrait marcher là. Voilà, j'ai checké en vous faisant des clins d'œil d'alerte au son. Le jeu fonctionne, l'ordinateur fonctionne, nous ne sommes pas en galère, ça a l'air de se passer bien. La souris est où? Elle est là. Donc, alors j'ai mis des paramètres, dites-moi si ça vous va. Je vais enlever ça déjà, ça peut vous aider. Je l'ai mis en français déjà. Passer tous les dialogues non essentiels, ça je pense pas. J'ai mis mode streamer parce que je sais pas à quoi c'est genre un moment de la musique, je sais pas quoi. Je me suis dit oui, on va utiliser l'embout en bois, bien sûr, utiliser le free chapeau, bien sûr. Le volume, je l'ai géré comme ça, normalement ça devrait être bon. Il y a plus de voix, moins d'ambiance, et lui, on s'en fiche. La taille, la vitesse, désactiver ça, normalement ça devrait être pas mal. La contraste des couleurs, alors ça c'est à vous de me dire, parce que ça je peux augmenter. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Ça fait un peu de transparence. Le curseur du système. Je sais pas. Bon, ça... Ah oui, d'accord. Bon, on va allonger la durée des bulles de dialogue. Donc ça, c'est ses dépenses. Ça va trop vite. Le texte est de grande taille, il faut me dire. Et la police dyslexie, c'est celle-ci. Et du coup, je la trouve moins lisible sur le blanc. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez la police dyslexique. Et donc open open dyslexie je crois. C'est la version gratuite, donc il y a des moments ça marche et des moments ça marche pas. Est-ce qu'il faut que je change les paramètres d'entrée là? Sauter, interagir, je vais peut-être pas faire ça. Et la police tue. On veut pas de police du tout, d'accord. Space S A D. Alors là. Ça va pas être A, ça va être Q. Ah, il est en AZERTY. Oh, motherfucker! Il est en... Ah, ok, bah d'accord. Shift, ok. I. Il est très loin. Hein. Tu veux pas F? L'inventaire, là. On va mettre... Ça va me stresser, je vais mettre Z. Mais non, mais regardez. Up, arrow. Ah, mais attendez! Je suis pas d'accord. On va devoir changer tout ça, là. On va mettre du ZQSD, hein. Hop. Descendre. Ouais, 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 t'inquiète. On vérifiera tout à l'heure. Et monter, donc ça, c'est bon. Carte. Bon, ça, on verra ça après. Carte inventaire. Logiquement, est-ce que ce serait pas mieux d'utiliser ce que j'utilise avec courir, shift, c'est bon. Changer d'instrument. Alors, sauter. Base. Interagir, je vais mettre E. Jouer de la musique, je vais mettre A. Parce que ça a l'air d'être les premiers trucs. Bah. Changer d'instrument. Mettre 1. Bah il veut pas. Genre il le calcule pas là. Ah ouais il le calcule pas. Comment changer l'instrument? On va faire tab. Tab. Tab ça serait pas mal. Tab ça fait tab shift. Inventaire je peux mettre maj. Là ça, on va mettre tab pour changer d'instrument. Et du coup, le problème que je vais avoir, ça va être quête. Quête. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Quête, bah on peut faire le 1, mais ça marche pas le 1. Ça va, la musique, c'est bon? Au niveau de la voix, tout ça? Pas beaucoup de choses, mais vu que ça a l'air d'être un jeu musical. Thank you.
Pourquoi il a dit... Snufkin, on est dans le Snufkin là. Pourquoi il l'a mis en discussion? J'étais en train de vérifier. Snufkin. Pas changer ce que je voulais en fait. Ok, cool. Alors du coup, moi j'ai un problème avec Kate parce que je peux pas le placer dans le... Dans le 1. Peut-être que je vais le placer dans le 2. Ah, ok. Faudrait que je me rappelle parce que... Bon, allez. Normalement, ça devrait être bon. Nouvelle partie! N'oubliez pas que si vous poussez un objet, vous pouvez le tirer. Tu vas me manquer terriblement, Mumric. Tu es sûr de devoir partir? C'est le ton. Il est temps que je parte. En plus, vous, les Moomins, dormirez tout l'hiver. Je sais, mais tu promets que tu reviendras? Je reviendrai au printemps, comme toujours. Alors je t'attendrai ici sur le pont, comme toujours. Au revoir, Moomin, le troll. Je te reverrai au printemps. Excusez-moi, je cache la... Je crois qu'il faut que je joue. Il devrait être sorti de son hibernation. Ah oui, je joue! Je saute! Retrouve un ami! Lorsque le printemps arrive, je retrouve toujours Moomin le troll en train d'attendre à côté du pont. Quelle joie de le revoir. La pâte... Oh! On fume la pipe! Allez, speedrun. Any pourcent. C'est joli, mais on n'a pas de carte. Comment on fait pour... Enter ? Quête. Ça manque... Alors ça, c'est quoi, ça ? Shift. Ah, c'est courir. Ok. Après, la marche est pas mal, déjà. Hein. Ah, qui m'a parlé là? Aïe! Étrange.
Honnête, 800 le jeu, c'était moins une. Je pense qu'il faudra débloquer quelque chose. Ah mais ça joue que au clavier en fait. Hein. Face. 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 Et là je peux sauter aussi? Non. Space. Ouais, ça se joue que au clavier. C'est bien déjà. C'est lui, c'est lui. Bonjour, qui es-tu? Ah, trop peur de parler. Okay. Quelle étrange petite créature. Là, il y a un buisson aussi. Il y a un rocher. C'est pas là. Non. Alors, déjà, 20 sur 20 le jeu. Hein. Le style est déjà bien. Ressaisis-toi, va le voir et dis-lui bonjour, tout simplement. Doit être le grand Mumrik. Bonjour, qui es-tu? Personne ne m'a jamais posé cette question auparavant. Parce que je suis trop petit et inutile pour avoir un nom. Le monde mérite d'avoir un nom. Je le pense sincèrement. Tu pourrais peut-être m'aider à trouver un nom. Allez. Faut trouver un nom. Je vais retrouver Moomin le Troll, mon vieil ami. Ce n'est pas un problème, je peux t'accompagner. Non, j'ai pas fini Fallout, on recommencera, je pense, en septembre. Je peux t'accompagner, je peux même te faire une visite guidée. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que je stream pas, en vrai. Là, vous me voyez, mais je suis pas là. Hein. Au Q. Et c'est ainsi que finit mon périple en solitaire. D'accord. Alors, Q. C'était pas Q, hein. La créature sans nom. Trouver un nom. Moi, je veux bien trouver un nom. Ah, c'est avec les aventures qu'on trouve le nom. D'accord. Donc Solarus, la prochaine fois que je streamerai, normalement, ça sera ouais, vers septembre, normalement, si tout se passe bien. Oh! Attendez, attendez! J'arrive! Pourquoi vous êtes si pressés? Vous avez l'air complètement affolé. Okay. Déjà, on a des potes, hein, donc ça, c'est bien. Ça, c'est... Echo! Et donc, ouais, en fait, là, pendant l'été, je me repose. Plein d'autres animaux qui fuient la vallée. Triste, mais compréhensible. Quel est leur problème? Dois-je les suivre? Quand il y a une fuite, est-ce qu'on suit l'eau qui coule? Ou est-ce qu'on remonte à la source du problème? Va voir l'endroit d'où ils viennent, la réponse à ta question s'y trouve certainement. Shift pour l'escalade. Non, c'est Space. Il y avait marqué Shift. Ah! Ah! J'ai misclic. Attendez, faut que je jarte ça, parce que si je misclic encore une fois, ça va être compliqué. Voilà, comme ça, c'est mieux. Space. Waouh. Metal Gear. Tant de choses ont changé. J'aurais dû dire Splinter Cell, plutôt. Prendre des objets. On va prendre les cailloux. Moi, je veux bien prendre les cailloux. Je veux bien prendre les cailloux. Ah ah! Est-ce qu'on est directement dans ce chaos-là? Non, on peut pas faire tomber. Oh là là. Pêche la force, hein. Je reconnais, c'est bien comme jeu déjà. C'est pas bête, hein, mais. Ok. Vous pourrez me jouer quelque chose? Attends, est-ce que j'ai. Bah là, j'ai pas de musique. Peut-être plus tard, je ne suis pas très inspiré. Ah ouais. Ah, Splinter Cell, vraiment. Je connais ça, on fait ça aussi dans Zelda. Ok, ok. Il va falloir chercher les...
Yeah. Alors là, la stratégie, c'est ça. J'ai l'impression que c'est grand, donc peut-être on va faire 3. Éviter de taper le petit animal là en bas. On sait pas ce que c'est. Peut-être que c'est 4 qu'il fallait que je prenne. Non, 3 c'est bien. Mais oui, normalement je finirais Fallout en bonne et due forme. Ça c'est encore eux j'imagine, faut remonter. Et où tirer? C'est simple, hein, mais pour l'instant, c'est bien. Il a l'air aimable. Il pourrait peut-être nous aider. Essaye de jouer de ton harmonica. Ah, bonjour. Le jeu. C'est des touillets. Des touillettes. Ah, c'est niveau 2. Là, j'ai que le niveau 1. C'est ça qui sont en train de me dire. Pourquoi tu sembles manquer un peu d'inspiration pour jouer avec les touillets? Et si on cherchait de l'inspiration? Ah, c'est une inspiration, ça? Ah, il est revenu. Des dessins. Je dirais les touillets. Je me demande qui les a dessinés. Là, je peux pas jouer là. J'ai claqué trop de trucs. Pour trouver de l'inspiration, essayez de courir autour de ce buisson. Il a l'air d'en déborder. C'est quoi, celui-ci? Ah ouais. Ah ouais. Incroyable. Ah ouais. Ah, le niveau, le level up. Courir dans les buissons, toujours les bons bails, hein. C'est un raccourci. Je connais. Ça c'est totalement dans Dark Souls. Et ils ont vraiment plein de niveaux, hein, bientôt. Ah, c'est ceux qui bougent. Ah, ceux qui bougent, d'accord. Voilà, ça y est, niveau 2. Okay. Les buissons ont l'air d'être inspirants, quoique difficiles à atteindre. Essaye de convaincre l'oiseau de nous aider en jouant pour lui, veux-tu? Je dois le lâcher, ça? Ah ouais! Okay. Ça a fonctionné, tu m'as l'air plus inspiré. Ok. Merci! Là, on a fait tout. Et le touillet. Ah, essaye de le convaincre de nous suivre. Bon, hein. Ah oui. Et là, du coup, c'est pour toi. Space. Oh, il m'aide à monter. Trop bien. Trop bien.
Ah, ok. Je soupçonne un truc. Là, on pourrait le mettre, là, c'est ça? Tonnerre rugissant. Mais oui, Thunderbird. Comment c'est en anglais, c'est Thunder, je sais pas quoi. Il a un joli chapeau, ce touillet. Cette touillette. Bon. Il est trop fort. J'ai l'impression qu'on est des Pichadaros, là. Pichadores. C'est les graffeurs en Amérique du Sud qui sont des courtes échelles. Nif, Limerick, sauve-moi du monstre. Un monstre, où ça? Oh, salut, Sniff. Un monstre, tu parles de l'araignée? Ce n'est pas gentil. Je me demande si finalement ce n'est pas vous les monstres. Nouvelle quête. Sauvez Sniff. On a moyen de faire bouger l'araignée. Moi je propose qu'on lui fasse le... qu'on lui fasse danser la tarentelle. Lol. Je prends l'information hein, d'abord. Ah! À l'aide, un monstre! Libre, en avant vers de nouvelles aventures. Salut Sniff. Brut, j'étais là en premier. C'est vrai. Je me sens un peu mal maintenant. Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire? Je ne crois pas, non. Et j'ai bien peur de ne plus jamais pouvoir être heureuse. Pas même un papillon, un adorable et délicieux papillon. Ouais, non, désolé araignée. Hein. Je suis trop triste. Pauvre araignée. Pas de la musique pour toi si tu veux. Ah, un papillon. Ben voilà. C'est bon, ah, c'est bon. Tenez un papillon pour vous, je suis désolé de vous avoir fait de la peine. Oh, merci. C'est vrai qu'on est partis sur un mauvais pied tous les deux. Enfin, surtout toi, bien sûr. Mais je te pardonne. Laisse-moi avec mon papillon, maintenant. Niveau supérieur, niveau 3, bim. Sentez l'inspiration vous envahir, vous pouvez désormais jouer une musique plus touchante, plus intime. Ok. Ça l'a rendu enjoué, dis donc. Ouais, c'est tellement bien de se balader dans des buissons pour pouvoir récupérer de l'inspiration, ce serait trop, trop pratique.
Simple hein, pour l'instant, mais efficace. Oh! Pour les fourmis! Mais oui! Elles ont rangé leur maison. Il me faut 3 toilettes. Tape les niveaux en tout cas, clairement. Ah! Et... Là, je peux monter sur celui-ci parce qu'il a les mêmes trucs que. Non. Okay. Alors franchement c'est dynamique hein, quand même cette histoire de musique, regardez, avec la pierre. Incredible. Ah, là il y a une sortie. Il nous en faut 3 et apparemment faut aller en bas. On a pas vu le troisième. Faut bien 3. Allez. Les meilleures têtes, hein, les persos. Oh là là. Regardez, j'ai pas d'amis. Avec un harmonica. Faudrait que je m'y mette. Oui. Merci. De thé. Des panneaux, des règles dans la nature. Qui peut bien vouloir faire une chose pareille? Toutes les règles, je crois. Allez, alors on continue. C'est super chill pour lire. La musique est bien. Ouais. Du coup, j'imagine que ça repose un peu. Ouais, des. Après c'était un peu l'idée hein, parce qu'en ce moment on va pas se mentir, hein, le contexte actuel est pas incroyable. En plus c'était on prend pas le thé, j'imagine. Encore des panneaux, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ça me donne de l'inspiration. Bientôt on va faire un remix de I Like It Move It en disant j'aime pas les bourgeois. Petit ref. Oh! Mais c'est la police! Qui serait capable de gâcher le paysage de la sorte? Il s'est passé quelque chose de terrible. Moumine s'est enrôlé. Je le sens. C'est babard, ça, je reconnais. C'est les mêmes uniformes. Là, tout de suite, là, on va se retrouver à encore devoir se taper contre la police. Ouais, dans GTA. Il n'y a plus de son pendant le chargement, carrément. Je connais les bails, il y a toujours des trucs de ce côté-là. Non ? Ok. Après, ne pas mettre le feu dans un endroit naturel, je comprends. Ne pas sentir ? T'as toujours pas trouvé ton nom, je tiens à préciser. Hein. En même temps, je pense que c'est en se baladant que ça devrait aller. Pas de pommes. Ok. Pas de thé.
Caché. Des arbres, carrément. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des arbres coupés. Oh non, c'est vraiment la police. N'oubliez pas que vous faites un travail très important ici. Oui, chef. Vous pouvez me redire que c'est mon travail, déjà? Vous devez toujours faire respecter ces règles. Pourquoi je m'en doutais que c'était la police. Nous bâtissons ici la vallée du futur. Je connais. Et la police tue. Et pour aller aux toilettes, ça c'est une grande question. Une grande question. Bon, alors du coup, ça je connais, c'est la technique Zelda. Voilà, c'est toujours se faire voir. Halte là, j'ai besoin que tu gardes ce parc pendant que je vais faire quelque chose. Ah, tu... ah ça commence déjà. Je ne garde rien du tout, je ne fais que traverser. Je ne garde rien du tout. C'est ce que nous verrons. Un scandale, ces règles. C'était ça qu'il avait écrit, je crois. Pourtant, j'étais sûr qu'il y avait des panneaux ici. Bon, eh bien, je ferais mieux de trouver des règles à faire respecter ailleurs. C'est ça, casse-toi. Pars. Si j'enlève ces panneaux, les agences de police en iront. Alors, rendons son parc à la nature. Ah ouais, carrément. Ah... Moi, je condamne, hein. Ah, je condamne, hein. Nous condamnons, bien entendu. C'est dangereux, écolo, là. Possible. Exactement, éco-terroriste. Là, il a cassé la barrière, hein, franchement. Faut pas faire ça, surtout pas à Paris en ce moment, y a pas beaucoup de barrières en plus là-bas. Niveau supérieur, vous sentez l'inspiration vous envahir, vous pouvez désormais jouer une musique plus touchante. Niveau 4. Bim. Quoi? On a pas le droit de fumer? Comment ça? Un autre parc I2 qui me bloque le passage en plus. C'est vrai que si ça bloque le passage, les parcs en plus, avec les grilles, je comprends. Tout ça là. Après, ça va aller dans des méga bassines, franchement. Et balancer des lentilles. Oh, hein, quand même. Hein. Franchement. Oiseau! Wouhou! C'est pas une tourterelle. Elle est bouleversée, je crois, que l'un de ses quatre moutons s'est coincé là-bas. Je suis un canard, du coup. Ok. Il y a peut-être d'autres pauvres bêtes. Ok. Wouhou! Ok. Ne t'inquiète pas, je vais te tenir compagnie pendant que Mimrik sauve tes petits. Ok. Oisillon perdu. On va leur lancer des... Non, on va aller les chercher, c'est ça? Quoi, quoi? Quoi, quoi? Il est trop mignon, le canard. Allez, viens! C'est ici qu'il faut aller. Allez hop. Et voilà, de nouveau avec maman, quel bonheur. Elle n'a pas l'air contente. Peut-être qu'il manque encore quelques-uns de ces cadetons. Ok. Par défaut, on va prendre la pierre parce que... On est de ce genre de personnes-là. Apparemment, on bloque les méga bassines. On sait jamais. Toujours avoir un petit... Ah ouais, carrément. Quoi? Je sais. Faut que je clique. Oh là là, c'est le seul moment où je dois utiliser la souris. Trop dur la vie. Comment il s'est mis en dessous? Allez, viens, on va là-bas. Cours.
Ouais, super. Il va y en avoir d'autres. Moi, je veux un chapeau exactement pareil que Moonric. Hein. Franchement, la classe. La classe chapeau des plantes, là, avec des fruits dessus. Trop bien. Ok, c'est bon. On y va. Allez, on court, on court, on court, on court. Cours, 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 cours. Cours, cours, cours. Saute, cours. Titi, Titi. Elles sont magnifiques. Titi, j'en ai les larmes aux yeux. On pourrait être appelé comme ça. Titi. Titi, ça me rend tellement heureux, presque trop heureux. Que penses-tu de Titi ou un début, une fin et une fin triste. Ah ouais, un gay, triste et beau comme la vie. J'adore. Désormais, on m'appellera plus celui qui m'a rencontré Moonric. Mon nom à moi, c'est Titi ou. Je mènerai la vie comme je l'entends, avec des responsabilités rien qu'à moi. Et toutes ces responsabilités, je ferai mieux de m'en occuper. Ah, tu pars? Il va falloir une boîte aux lettres avec toutes ces factures qui vont débouler. Il est marrant. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que c'est que ça, une clé? Voilà, il ne faut jamais considérer un nom comme acquis, comme tant de merveilles de la terre cachées. Attends, c'était... il y avait marqué un truc vachement bien. C'est bien, c'est bien. Titi ou... C'est rigolo comme nom en plus. Oh, le bois. S'asseoir. Mais attendez, on peut... Attendez. Il nous faut... Il nous faut une loupe de ça. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser, bien entendu, pour vous faire patienter. C'est elle, lui, le facteur qui gardait le courrier. Ah, c'est possible, ouais. Ah là là, c'est bien quand même. Hein. Moi, j'aime bien ces petits passages là où tu peux faire des pauses comme ça dans les jeux. J'avoue que ça manque. Il y a plein de jeux comme ça où t'as pas de pause. Franchement, c'est sympa. Bon, allez, on recommence. J'appuie sur E. J'appuie sur E, on peut pas quitter. J'appuie sur échappe. Il y a la plage et tout, c'est vachement bien. Bon, allez. On continue, même si on... le but, c'est pas d'aller vite. Mais pour l'instant, très bon jeu. Moi, j'aime bien le style, en plus. Et vu que je joue majoritairement à cause du style, à part quand c'est des vieux jeux que je dois faire. Oulala là là. On est en Metal Gear. Retirer les panneaux. Ah ouais, il y a la vision et tout. Caché dans les buissons. Metal Gear. Ah. Moi, j'ai une technique à Metal Gear, je sais pas si vous connaissez, c'est le principe de se faire repérer et de courir. Hop. Je faisais ça aussi dans Zelda. Le gardien du parc a mis des statues. Allez, on pousse la statue. Bam, cassage de statue. Oh là 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 là. Militant décolonial en plus. Oh là là. Murkin, je suis choqué. Ha. Course. Il veut du colis. Ha. Ha. Hi. Ha. Ha ha, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je suis dehors. Tu vas faire quoi? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Salut! I love Lucas. Pratique pour un jeu. Bien sûr. On continue. Cette infiltration du tonnerre. Vous avez vu que c'était infiltré à base de... à base de l'infiltration, bien sûr. Donc là, par exemple, si je fais ça... Ah ah! Je savais que tu me verrais pas. Et là, regardez. La technique suprême. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Personne. On va casser ça. On peut pas casser ça? Alors là, on est obligé de se faire voir, je suis désolé.
Je vois que vous avez pas assez joué avec des... avec des techniques d'infiltration contre les policiers, hein. Mais c'était typiquement ça, hein. Regardez, on fait du speedrun de... speedrun de... de policiers. Haha! La course, la course, la course, la course. Ni vu ni connu. Haha! Alors, regardez. Hop! Ni vu ni connu. Là, j'aurais pu le faire à la deuxième. En vrai. Mais je peux même la faire là, en fait. J'aurais pu la faire dans son dans sa vision. Ah non, mais il se replace, d'accord. Ok. Ça, c'est derrière des... Hop. Lui, on va le viser. Hein. Ah, il se fait embrouiller. Ah, carrément. Merci. Les corbeaux, avec nous. Ah. Ah. Vite. Vite, faut sortir. On va se faire repérer par tout le monde, mais c'est pas grave. Pas grave, on... Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon, ok. Tout va bien. Ils ont abandonné. Ils m'ont pas vu. Exactement. Voilà, fais attention parce que Mumric est apparemment ouais, un militant écologiste contre les méga-bassines. Et en plus, il fait tomber des statues, donc clairement décolonial. C'est compliqué, hein, la course contre les policiers. Alors là, comment on va faire? Je pense qu'on va devoir faire ma technique. Hein. La technique... Ah! Ah, c'est... Ah, on joue plus le même game. Mais là, j'avais la clé tout à l'heure. Ah non, je l'ai pas pris. Bah ouais, si je la prends pas aussi. Mauvais timing, je pense. Mauvais timing. C'est un avertissement qu'on a eu. Ça va, c'est que de la tige. Regarde dans ses bras. Bien. Les policiers, ils aiment bien regarder des murs, je crois. Allez, on continue. C'est bientôt fini. Et voilà. C'est grave. Je condamne, bien sûr, toutes les violences faites aux grilles. C'est juste pas bien. Faire le tuto. Ah, mais que faire, c'est le truc de léniniste qui est passé avec... Non, c'était pas un truc comme ça, là. On m'a dit, ouais, c'était... En fait, c'est le livre de Lénine, c'est ça. Je l'ai pas lu, hein. Parce qu'il y a eu une émission que faire aussi chez PDH. Avec avec la Horde.
Et pas que la horde, je crois qu'il y avait même d'autres personnes, mais du coup, le que faire, il a pas l'air d'avoir beaucoup de résultats, je trouve. Par faire du contenu. Bah ça, tu sais, ça arrive, hein. Là, on... En fait, moi, ce que je remarque, c'est que je crois que on suit des gens et je crois que les informations tombent pas assez rapidement. Hein. J'ai du mal à comprendre. En fait, moi, avec PDH, je me suis toujours posé la question. Il y a plein de gens, j'ai l'impression, qui connaissent pas l'histoire aussi de ce qui s'est passé avec le pire au final, parce qu'il y a eu un truc quand même qui s'est passé. Pourquoi Ouria n'est plus avec le pire? Et pourquoi Wissam qui était au pire aussi? Enfin, il y a des discussions, quoi, politiques qui ont dû arriver quand même. Pour arriver à parole d'honneur. Et je comprends pas en fait comment c'est possible de ne pas en... Enfin, je sais pas s'ils en parlent, hein, après, c'est possible. Mais il y a pas grand monde qui... Et j'ai l'impression qu'il y avait pas grand monde qui connaissait déjà avant. Il y a pas grand monde qui se pose la question, en fait. Ce qui s'est passé. Ce qui ressemble à une scission, en fait, hein, tout simplement, mais... Pas le sujet. Ce serait pas la même scission qui arrive à chaque fois avec la... les positions de gauche, c'est-à-dire des gens qui... accaparent par leur présence, en fait, aussi. Ça peut être ça, hein. C'est souvent le cas, en vrai. Vous connaissez cette technique? Moi, je la connais. Attendez, j'ai fait bugger le truc, là? Il y a des trucs, j'oublie. Le que faire, bref, PDH, comme... Par contre, je connais les bails, et la liste est longue. Attendez, on va essayer de faire... On a fait bugger le truc, on va recommencer. Voilà. Je saute! Je saute! Je peux pas sauter. Je crois que j'ai trop fait bugger le truc. Je peux pas sauter dessus. On va peut-être le faire dans l'autre sens. Là, je peux sauter, là. Moi, je veux la version buggée du truc, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ça marche pas! Ça fait longtemps que j'avais pas joué que d'une main. C'est super agréable en fait. Hein. On est un peu en tension tout le temps, mais. Oh, Moumine! Non, c'est pas Moumine. Bah, c'est tout est tellement sec. Maman Moumine! Bonjour mon cher Mumrik, je viens de sortir de mon hibernation. On dirait que Moumine s'est réveillé avant nous. Il t'attend sûrement au pont. Comment allez-vous, maman Moumine? Bien, j'étais très heureuse à l'idée de m'occuper de mes fleurs, mais elles sont toutes fanées. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Va donc voir ton ami. Et c'est une quête. M. On me rappelle plus de la carte. C'était quoi la touche de la carte? Quoi la touche de la carte déjà? Bah M. E. F. J'ai fait une touche carte, mais je me rappelle plus c'était laquelle. Il y avait écrit carte, mais... Ah, il y a Papa Moumine, là, c'est ça? Il a un chapeau que... Il est apolitique, Papa Moumine, je crois. Il a le même chapeau que Franck Brusset. Oh, regardez! C'est la maison des Moumines, comme le parc... parc de loisirs, là. Comment allez-vous, Papa Moumine? Je me réveille à peine que mon esprit est déjà occupé par un million de choses. Mon chef-d'œuvre envolé et mon bateau parti. Vous avez terminé votre pièce? Félicitations. Avez-vous vu Moumine? Oh, il n'est pas là. T'attends sûrement au pont. Quand tu le verras, tu lui diras qu'il doit bien laisser les fenêtres fermées. Mon chef-d'œuvre s'est envolé aux quatre coins de la vallée. Peut-être qu'il sait aussi où se trouve mon bateau.
Je vais garder un œil ouvert au cas où je tombe sur votre pièce et sur le bateau. Bateau, ça se voit, hein, quand même. Est-ce qu'on peut se poser là? Eh, si le jeu nous permet d'être dans un hamac, triple A de l'année, hein. Quadruple A, même. On va bourrer les urnes sur Steam aussi, hein, bien sûr. Juste d'être dans le hamac, c'est génial. Oh, on peut scier. Oh, on peut couper. Que des armes. On est trop militant là. Si on commence à prendre des outils, c'est compliqué. Oulala, ça s'est épaissi. Salut Eleonore. Ça s'est épaissi comme jeu là. 4, j'ai le niveau 5, tout va bien. Tenez les fourmis, appréciez la vie. Merci les fourmis. Mais par contre là, le jeu il est devenu trop open world pour moi. Je vais vers le bas pour l'instant. Apparemment il y a une carte pour l'instant. Ah, vous avez vu, il y a le personnage principal. Ah ouais, carrément, c'est une sécheresse. Quoi? La rivière a disparu et Moumine le troll n'est pas là. Qu'est-il arrivé? Je dois savoir ce qui est arrivé à Moumine le troll. Et la rivière, elle n'a quand même pas pu disparaître comme cela. Mon perso préféré, je vous le dis. Petite mue, tu en as mis du temps pour arriver ici, Numérique. Qu'est-ce que t'as fichu? T'as resté regarder les papillons volés ou quoi? Ou alors c'est une cascade qui t'a hypnotisé? Bonjour, petite mue. As-tu dit qu'il était arrivé quelque chose à Moumine le troll? Oh oui, un sort de plus horrible. Un sort des plus horribles. Ouais, c'est... Il y a de l'or. Moumine hibernait, tranquillement, l'esprit en paix. Franchement, je trouve ça très égoïste. Quand soudain, elle est apparue. La courabou. Elle a regardé Moumine le troll avec des intentions monstrueuses et une envie hideuse. Elle l'a emporté et elle est partie en courant dans la forêt pendant que le pauvre Moumine le troll se débattait en criant. Tu l'as vu de très propres yeux? J'ai dû m'enfuir en courant pour ne pas connaître le même sort, mais voilà que, à peu de choses près, ce qui s'est passé, tu ne le reverras probablement plus. J'arrive plus à parler, ça y est, c'est fini. Là-haut, il y a des fourmis, on va s'occuper des fourmis. Petite mue. Elle, vrai? Je ferais mieux d'aller voir. Niveau 5, on a niveau 5, t'inquiète. Ah non, mais c'est le tam-tam du niveau 5. On n'a pas le tam-tam. Dick Dane. On a niveau 5 en harmonica, mais pour l'instant, rien d'autre. Oh non, les keufs! Oh non, encore des agents de police. Tiens, et ils se rendaient... Et s'ils se rendaient utiles? Une inconnue. Bah. Ces animaux ont l'air d'être en détresse. Vous voulez la musique? Non. Oh là là. Le jeu s'étoffe au fur et à mesure. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller, mais en tout cas, on y va. Ah oui, mais ça, on sait. Pourquoi il m'embête? Monter là. La piste givrée mène là, on dirait que le courabou est parti dans cette direction. Ah bon? On va finir le jeu avant même d'avoir commencé une quête? Ah. Il fait de plus en plus froid ici, le courabou ne doit pas être loin. Sérieux là? On est déjà vraiment dans le bon sens? Carte, elle est où? On est où là? On est là? Ah bon, on est sur le bon sens, carrément, d'accord.
Là, on a fait tout ça déjà. Il nous manque un parc ici. Peut-être qu'il faudrait aller le voir. Là, on est allé ici. Il y a le parc aussi à enlever là. Ok, d'accord. On peut jouer de la musique pendant le chargement, d'accord. Oh non, c'est une course poursuite. Dane. Là, je connais, hein, c'était dans Metal Gear aussi. Je remets ma tête, peut-être. Non? Non? La caméra veut pas revenir. Vite! Saute! Ah! Non! Et c'est une mort. Mais pourquoi la caméra veut plus revenir? Lol, c'est une lag. Bon, c'est pas grave. On va essayer de la jouer sérieux. Alors, j'ai pas compris, mais la boule, faut la tirer, la pousser. Faut pas courir dans la gadoue. Et cours. Ah, bah c'était même pas pour moi. Et on redescend. Pourquoi c'est tout un coup c'était la nuit? On peut plus revenir par là, ok. Ah oui, parce que ça s'est cassé derrière moi. C'est vrai. Alors la cam, toujours pas. Moumine! Mon ami maladroit. Alors, du coup, on a les traces de pas, non? On peut être dedans? Non. Il est parti par là, on dirait, hein, Moumine. Ah non. Ah non, ça fait des champignons, ça. Ah non, il est reparti! On se poursuit, vite! Pression quand même. Vite, vite. Mine, le troll doit être là-bas. Vite. Il va aussi vite que moi. Comment je fais? Attention. Ah bah bien sûr. Regardez, regardez. Va mettre une pointe là. Vite. Ah non, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Oh, Dane. Attendez, je vais checker la cam. Ah bah si, elle est revenue. Bizarre. Trop bizarre cette histoire. J'ai mis clic sur je sais pas quoi. Ça a fait l'objet. Shift, j'imagine. J'ai dû appuyer sur table.
Wesh. Bing, bing. Bah bien sûr, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Voilà, là, il va me mettre une pointe parce que je suis dans la gadoue. Oh là là. Ok. Merci pour ton aide, j'ai bien cru que c'était fini pour moi. Le courabout t'a fait peur, c'est ta lampe qui l'attire. En vérité, elle est inoffensive. Ton ami Moumine la troll l'a compris. Alors Moumine le troll était ici ? Sûr. Moumine le troll est venu ici. Alors attention, parce que il y a du lore. Il était avec le courabout. Lorsqu'il a vu la forêt dévastée, il a essayé d'avertir les agents de police, mais ils lui ont demandé de déguerpir. Déguerpir. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Oh là là, il a été emmené en prison. Alors Moumine le troll était ici avec le courabout ? Mais de son plein gré ? Ah, le gentil Moumine, c'est tout lui. Et bien sûr que petite Mu exagère toujours. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la fumée ? Je ferais mieux d'enquêter. Où est la courabe ? On a fait. Autre, ah, le doux parfum du progrès. Si seulement le gardien du parc nous voyait, on fait treutreux de l'excellent travail. Il sera ravi lorsqu'il reviendra de la île. Vous ne pouvez pas faire de feu ici, c'est trop sec. Ne vous inquiétez pas, nous contrôlons la situation. Et merde. Bon, hein. Oh non. Si cela vous rappelle quelque chose qui s'est passé récemment. LPT. Ah bah non. Ah bah non. En plus, c'est super dangereux pour nous, là, on est enfermé. Courabou, aide-nous. Crache du feu, de glace. Merci, Courabou. Elle semble attirée par les flammes. Ouais, super, Courabou, allez, vas-y. Fais le taf, on doit tout éteindre. Voilà, merci, Courabou. J'ai été inspiré grâce à toi. Là, il y a encore de la flamme. Salut, les gens, salut, Sergent Drac. Sergent ? CGT ? SGT ? Je sais plus. C'est Sergent, on dit ? En tout cas, bonjour. Et c'était point d'exclamation, LPT. Mais oui, merci, Fred. Il y a du feu partout. Ah ouais, parce qu'en plus, c'est sur tout leur chemin, quoi. C'est... Et la police tue. Je vois que vous avez fait les Akab Moumine, de même qu'il y a Papa Moumine, exact. Et maman, exact. Normative sans l'air. Tu as été ban ou c'est moi qui dois être ban actuellement? Je pense que t'as été ban. Tu n'apparais plus dans la vie. Sauvé. Sauvé par le courabou. Occupons-nous maintenant de ces agents de police. Alors je te laisse dire ça tout seul, hein, Mimric. Assume tes choix, hein. As-tu été ban, Mumric? Non, pas du tout. Mais toi, as-tu été ban? Oui, Wizbot t'a ban, c'est bien. SGT. Alors du coup, SGT, tu nous disais, je vois que vous avez rencontré les Akab Moumine, de même qu'il y a Papa Moumine et Maman Moumine. Mumric fait le taf, hein. On va pas se mentir, là, pour l'instant. On connaît ses positions politiques.
SGT ou CGT, si on est arty et qu'on veut faire genre on fait une blague alors qu'elle a juste mal lu. Ok. J'imagine que arty c'est arty et rigolo. En tout cas, on peut dire qu'on a fait du bon travail. Super. J'imagine que c'est les cafés qui ont fait ça. Merci, Kourabou. La nature nous a tout fait pour nous en empêcher. Nous avons gagné. On est vraiment trop fort. Mais je... Eh. Je peux la y être dans le dos, là. Ah. Tout cela est de votre faute. Non, mais j'avais bien compris. Tout cela est de votre faute. Les plaintes doivent être déposés auprès du gardien du parc. Où est-il? Comme nous l'avons déjà dit à l'autre type qui n'arrêtait pas de nous importuner, il est sur l'île des Atifnat. Oh, on va voir les Atifnat, c'est trop bien. Pour y mener des affaires importantes. Maintenant, sortez de ce parc. Non. On est venu en groupe. Regardez, regardez. Regardez ce dangereux militant. Et cette dangereuse militante. On condamne, hein, bien sûr. Tu as sauvé notre forêt. Tiens, prends cette flûte en remerciement. Elle est faite de bois de notre A préféré. C'est tout ce qu'il en reste. Ce n'est pas moi qui ai sauvé la forêt. C'est la Karoubou. Kourabou. Oh, cher Kourabou, notre héroïne, notre sauveuse. Notre ami. Attention, c'est un moment poignant. Et on a une flûte. On n'a pas le tam-tam par contre. Notre forêt va pouvoir repousser maintenant que les agents de police sont partis. La Kourabou a-t-elle enlevé Moumine le troll? Non, bah non. On a appris que non. Notre forêt va pouvoir repousser maintenant que les agents de police sont partis. Ah oui, j'ai déjà demandé. On peut pas discuter avec Kourabou. Bah. J'ai jamais vu qu'il y avait une grenouille, moi. Ah, c'est I. Dans l'inventaire, je me rappelle plus ce que j'ai mis l'inventaire. C'est E, je crois. Tab. Ah oui, tab. On peut changer l'instrument, ça y est, enfin. Ah, c'est directionnel, d'accord, ok. Si Moumine partit à la recherche des gardiens du parc. C'est possible que ce soit du troll. Que Moumine est un troll. Elle est à la plage. Mais on a d'autres missions, je crois. Dans des jeux de check. Le bateau perdu. C'est orange, donc c'est peut-être pas la meilleure des trucs, mais... Il est où le bateau? Il est là-haut. On est en bas. On va essayer d'aller au bateau. C'est pas le bateau, ça? La quête. Bateau. De toute façon, c'est du côté du port, donc ça doit être ça. C'est niveau 5 mais en musique, pas en instrument. Donc du coup n'importe quel instrument j'aurai niveau 5. Pratique. Pas sur les feuilles. Les fleurs. Ah. Ah bah on est revenu là. Ok. On est à côté de la maison des Moumines. On peut monter maintenant. On n'a pas toujours pas le tabouret. Oh, le bruit.
Voilà. Oh bien. Attendez, j'ai du mal avec la rotation. Ah, ça les endort carrément. On continue avec les pancartes. Je devrais aller à l'île des Atifnat. Ah. Ouh, c'est dur ça. Ouh là là. J'ai un problème de rotation. C'est bon, c'est bon. En train de me faire embrouiller par les abeilles, hein. Mais non. J'y arrive pas. Alors je vous explique, hein. J'y arrive pas parce qu'en fait ça change. C'est gauche-droite, gauche-droite. C'est voilà. C'est pas une rotation suivie, quoi. Allez, casse-toi. Bonjour. Et... ok, des champignons. Pas rentrer dans les fleurs. Ah! Est-ce que j'embrouille la ruche ou pas? Toucher les pancartes. T'inquiète pas, je les touche pas. Je crois qu'on va pas se rembrouiller par les... Niveau 6, wow, on n'y est pas. Du tambour. Tambourin niveau 5, ça va être des crabes, j'imagine. Le vieux bateau de Papa Moumine a disparu. On dirait qu'il y a du mauvais temps sur l'île des Atifnat. Mumric, bonjour Toutiki. As-tu vu qui a pris le bateau de Papa Moumine? Mumric, quel plaisir de te voir. Oui, c'était ton vieil ami Moumine le troll. Ah, c'est lui qui a pris le papa de Moumine, enfin le bateau. Je cherchais le gardien du parc sur la île des Atifnat. Cela ne me dit rien qui vaille. Je devrais aller le retrouver. Ça risque d'être compliqué sans bateau. Je suppose que je pourrais t'aider à construire un radeau. Mais je vais avoir besoin de matériaux. Tout ce que tu voudrais. De quoi auras-tu besoin? 3 bûches pour la base. Un bateau pour le mât. De la corde. Et de l'étoffe pour la voile. Bûche, bâton, corde, étoffe. J'y vais de ce pas. Aller dans sa maison? Non. Ça aurait été marrant de prendre tout de chez... dans sa maison. Mais ça, c'est du bois, ça! Je prends, hein! Ah non. Il y a quelqu'un qui marche dans la plage. Enfin invisible. Oh non, il est revenu. Il est là. Je ne vous vois pas. Quel enfer. Et c'est si simple, et en même temps si dur. Quel enfer. J'ai réussi ou pas? Tu m'as tout pris. Je n'ai rien pris du tout. IPP.
Là, je l'ai eu, là. Ce n'est pas parce que je suis invisible que tu as le droit de voler mes vêtements. Voler tes vêtements, quoi. Trop mignon, ce jeu. En même temps, avec les Moomins, c'est vrai. Quelqu'un t'a volé tes vêtements? Bon, on continue, hein. Je me fais avoir avec les... avec les pierres. Voilà, là, les diagonales qui n'existent pas. C'est bon, là? Et voilà! Je crois, bonjour, je suis Mumric. Oh, je croyais que vous étiez Stinky. Stinky? C'est qui, ça? Pas très engageant comme nom. Je suis désolé, pour moi, tous les gens visibles se ressemblent un peu. Excusez-moi, hein. Je m'appelle Nini. Enchanté, Mumric. C'est toi qui... c'est Stinky qui t'a volé tes vêtements? Oui, il est parti avec pendant que je nageais. Il a dit que je n'en avais pas besoin, puisque je suis invisible, mais j'ai vraiment froid. Stinky ne sortira pas comme ça, je vais récupérer tes vêtements. On se revoit très vite. Je veux dire... blague, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Ça va, les gens ils sont sympas quand même. Ils se disent pas, waouh, mais il est lourd lui. Bon, on a pas mal de trucs à faire, hein, j'ai l'impression. Un joyau qui se cache dans l'océan, évoquant la majesté et la puissance de la profondeur des mers, avec son arôme puissant et salé et sa texture gluante. Du coup, on n'a pas pu arriver là-haut. Et à droite, je pense. Salut Bichette! J'espère que tu vas bien. Ici, c'est chill-chill. Hein. Comment ça, c'est le jeu des anarchistes? Et je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas ce que tu veux dire. Sachant que moi, d'après ce que j'ai compris pour l'instant, Mumric est militant, clairement, écologiste, contre les méga-bassines, et décolonial, parce qu'apparemment, il se tape contre les... On va faire une course contre les policiers. Oh! Il se tape contre les statues aussi. Bonjour! Bon, ça, c'est... Moomin, c'est au-delà du anarchore, de ce que je comprends. Ça a l'air d'être pas mal... ouais, ça a l'air d'être pas mal. Alors, toi non plus, tu n'as pas peur de moi? Je suis désolé, mais non. Oh, c'est tellement triste. Je n'arrive même pas à effrayer une mouche. Et je rapetisse un peu plus à chaque fois que je n'arrive pas à faire peur à quelqu'un. Ah, mais tiens, on va faire peur aux policiers, t'inquiète. Je crois que je peux t'aider. Vraiment? Comment? Si nous travaillons ensemble, je pourrais t'amener des... victimes innocentes. Ça a l'air d'être bien parti. Allez. 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 Bien sûr, la technique... vous avez vu ma technique d'infiltration, bien sûr. Ha! Ha! Je suis là. Je suis là. Ha! Hou! Ha! Je suis ici. Tu vas faire quoi? Ok, premier keuf. On va trop vite. Vous avez vu, ma technique est infaillible hein, de contre les keufs. Hein. Allez, hop. Je sais pas où est parti fantôme, mais il est pas là. Ah non! Ah non! Où est fantôme? Allez, ok. On doit faire quelque chose pour qu'il te suive, Mumric. Allez, hop. AVC! Je rigole avec AVC, mais c'est pas marrant. Ah! En vrai, il est archi bien le jeu. Hein. Je fais tout ça à une main. C'est archi bien. Oh, mince! Oh, bah on est au commissariat, en fait. J'avais pas compris, mais on est au commissariat. Excusez-moi! Oh oh! Je crois qu'il est passé. Wow, le fantôme est énorme. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est nous qui te courons! Allez! Deux pour le prix d'un.
C'est archi bien. C'est archi bien comme jeu. Ah, on condamne, hein. Youhou, c'était tellement amusant. Merci Mimrik. C'est plutôt à moi de te remercier. Tout le plaisir fut véritablement pour moi. Veux-tu ce morceau d'étoffe qui me reste? Tu pourrais être un fantôme comme moi. Oh, cette étoffe serait parfaite. En guise de voile pour notre radeau. Merci. Ah mais moi je pensais qu'on pouvait se déguiser là. Vous savez. Vous imaginez que... Attendez. Parce que dans le menu au début... On avait le choix d'enlever le chapeau et la pipe. Ça veut dire qu'on n'aurait pas Mimrik, quoi. On aurait des cheveux, juste. Plus tristesse, hein. Là, y a le style, quand même. Hein. Bon, alors, du coup, là, il nous faut quand même le tambourin, parce que le tambourin, il nous aide pas mal. Hein. Il va débloquer pas mal de choses, je pense. Et c'était par là qu'il fallait aller, je crois. Ah non, c'est en haut. En haut à droite. À gauche, plutôt. Ah! Ah du coup, ah d'accord, ok, j'ai compris, il faut les ramener quelque part. Est-ce que c'est vers le haut ou vers le bas? En amont ou en aval? Oh! J'aimerais bien que quelqu'un essaye de faire la course avec moi, avec cette beauté. Condition de vent optimale. Bon, la course, ça sera pour tout à l'heure. Là, j'essaie de voir l'histoire des chapeaux. Température et débit de l'eau calculé, ok. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment pour... Ah, c'est peut-être les poissons pour la course. Attendez, on débloque d'abord les safe conduits de Dark Souls, là. Voilà. De traverser. Hein. Ah oui, d'accord, faut que je... Oh ah, mais ça va être l'enfer. Oh, je vois le jeu. Va falloir éviter parce que il va falloir faire le meilleur score de vitesse en faisant en sorte que les poissons ils se barrent. Mais quel enfer! Un cairn. Oh non mais attendez. C'est bon! C'est le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu. On peut faire la sieste. On peut faire la sieste. Alors je vous avoue, j'aimerais bien aller chercher de l'eau. Je vous laisse là, j'arrive dans quelques secondes. A tout de suite.
Heureux. Bon, ça va. La sieste était bien. Bon, ouais, c'est confirmé, hein. Triple A. On était où? Je ne sais plus. Ah oui, c'est ça, c'est la course. Course, hop. Et le truc, c'est que j'ai l'impression d'aller vite. Mais ça doit être trop bien comme début de jeu, comme début de... Comment ça s'appelle? Comme arriver dans un style de jeu, ou dans un jeu tout court, en tant que personne plus jeune, par exemple. C'est un des super bons jeux. Là, je me fais plaisir juste en jouant avec une main déjà. C'est déjà incroyable, ça fait énormément de temps que j'ai pas joué à une main. Vachement bien. Que fais-tu? Tu cherches un trésor? Je cherche des matériaux pour tout Tiki. Tout cela est pour le moins suspicieux, je vais garder un œil sur toi. Merci d'avoir lancé la cour à bout à mes trousses, au fait. J'ai dit, un meilleur perso. D'ailleurs, il n'y a pas un sondage, j'étais en train de me dire, parce que Bichette parlait du fait que c'était très anard comme truc. Mais en fait, il n'y a pas un sondage genre politique politique des personnages de Moomin. Quel est ton personnage préf? Donc on peut remonter jusqu'en haut. Là il y a une feuille. Moi je veux la feuille. Ça se trouve. Hein. Parce que il y a vraiment des caractères qui sont vachement bien. Et c'est très différent dans tous les personnages de Moomin. Ah mais c'est bon là. Il a fait tomber la page. Ah mais d'accord, c'est faire tomber la page. Ok. Ah, ok. J'ai compris le jeu. Et là, je fais quoi? Je peux apprendre? Ah ouais. Une vie entière d'idées profondes, d'émotions et de points de vue distillés en quelques pages. Ah oui, c'est le chef-d'œuvre de Papa Moomin. Political scale, plutôt. Moomin Edition. Oui, mais oui, mais je pense que tous les personnages sont tellement différents. Tellement de caractères bien et simples en plus, hein. Construisons un radeau et je me demandais si j'aurais pu t'emprunter ce bateau pour en faire un mât. Ah, seulement si tu gagnes contre moi à ce jeu génial. Et tu n'y arriveras pas. Quelles sont les règles? Le premier bâton qui a atteint ces drapeaux là-bas gagne. En outre, c'est interdit de toucher le bâton une fois que la partie a commencé. Mais d'abord, tu dois trouver ton propre bâton. Enfin, je doute que tu puisses trouver un bâton aussi impressionnant que le mien. D'accord, je reviens. Le bâton là-haut, il est bien, le petit là. J'ai mon bâton. Rien d'autre qu'un petit bâton ordinaire. À ne pas confondre avec le bâton. Eh bien, tu as trouvé un bâton. Tu veux commencer? Oui. I'm in. Hunter. Ah, il a bloqué le mien. Mais Nick! Nick! Vite! Vite, faut le bloquer pendant 600 ans, l'autre. Quoi? Quoi? Je me suis fait avoir. Mais... Quel jeu de l'enfer. Mais regardez! Il recule! Vite! Vite le bâton! Mais non! C'est un drame, c'est un drame. Il est bloqué, il est bloqué. Oh, quel enfer. Vite, faut bloquer l'autre. Le sabotage, le sabotage! Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Voilà. Petit bâton! Petit bâton! Bon, on accepte d'avoir perdu. Mais je comprends pas, le petit bâton, là, il est totalement bloqué. C'est dommage. Tu veux recommencer? Oui. I'm in. Maintenant j'ai compris comment ça joue. Regardez! Il est pas bloqué, le gros bâton, il est pas bloqué.
tout ça parce qu'on est en... Comment ça s'appelle? En virage serré. T'as trouvé ça? Ah, t'as trouvé. Vite! Normalement, petit bâton, il va aller plus vite. Allez! Allez, petit bâton! Vous bloquez, grand bâton! Là, normalement, on le bloque déjà. Logiquement, on le bloque, là. S'il traverse pas... Hein. Ah, bloqué. On va laisser arriver jusqu'au au prochain poisson. La triche. Jusqu'au bout. Ça y est, j'ai piégé le poisson. Tranquillement. 5, 4, 3, 2, 1. Allez! Vite! Vite! Je crois qu'on a une. On a de l'avance. Bon, je regarde ton lien du coup, en attendant. Oh! Tu as gagné! Incroyable! Mes calculs sont complètement faux. Eh bien, je suppose qu'il ne me servait plus à... Il ne me servira plus à rien. Reddit. Tiens, je te le donne. Mumric Libertarian Left. Ok. Donc, Bichette, je crois que tu as raison au final. Hein. Attendez, je vous montre. Je montre ça parce que c'est rigolo. C'est rigolo. Du coup, mon perso préféré est un peu de droite, hein, merde. Regardez ça. Moi, j'avais dit, je l'aime bien, là, sarcastique un peu. Donc, je comprends Papa Moumine. Moumine, c'est Macron, apparemment. Maman Moumine, ça va. Les astinages, ils sont des... Ok, ils sont autorité, je comprends. On n'a pas encore rencontré la dame. On m'appelle plus de son nom. Mais Mumric, donc vous voyez pas, mais en bas, c'est libertarian. Hein. Left. Voilà. Après, vous connaissez, hein, les termes en anglais ne sont pas les termes en français. Ah, tu le vois dans plein de comptes anards, les Moumines. Ah ouais. Après c'est... À son tien, hein. C'est de la bonne cam, hein. Simplement, mais je savais pas que c'était autant apprécié. Déjà, c'est Fred Oustrega qui m'a dit que c'était aussi apprécié par la commu LGBT. Donc je ne savais point qu'il y a plus, comme on dit que c'est dû à Tuff Johnson, je crois. Si j'ai bien compris. Et aux personnages qui sont dedans. Alors, attendez. La flûte, j'ai toujours pas le tambour. Hein. Il est parti où mon petit bout de bâton en fait? Il nous manque quoi pour la suite? C'était Strega, ok. Oh Moumine, le troll petit bien-être, ça on sait pas. Les vêtements perdus, donc on a toujours pas trouvé Nini. Le bateau bientôt. Fabriquer un radeau, il manque une corde monstre marin. Obtenir des bûches auprès du Papa Moumine. Donc on va aller voir les bûches de Papa Moumine. Et du coup, à côté de sa maison. Et le monstre marin, il est en bas. On l'a vu dans la map. Si vous vous rappelez de la map. Le monstre marin, il est là. Et là, c'est les bûches. Là, c'est le Papa Moumine, j'imagine. On va lui donner son œuvre. Il va nous donner des bûches. Toujours pas de tambour, hein. Le son du bois là. Plaisant. Ah! Je m'en rappelle ça. Cep. On a pris un cep. Oh, trop bien. Il y a des marches et tout. Incroyable. Oh!
connais ça, c'était dans Skyrim. Attendez, nous on veut voir juste. Voilà. Il nous faut le monstre marin. Mais le monstre marin il est dedans là. Sniff. Numérique, à l'aide, je t'en prie. Mon pauvre Cédric s'est perdu dans la grotte alors que nous cherchons un trésor. Et maintenant, cet horrible crabe bloque l'entrée. Je t'en prie, aide-moi à sauver Cédric. Je vais t'aider à trouver ton ami. Tu dois avoir si peur. Merci, Mumrik. Ok. Merci les crabes. D'accord. Attendez, je vais me positionner en diagonale parce que je connais cette douille. Continue au rez-de-chaussée, on verra après. J'arrive pas à sauter, hein, s'il vous plaît. Dans le sens où je fais toute la première salle. Après, je fais les autres petites salles qui sont séparées. On va revenir au début. Regardez, avec la dynamique de la lumière, c'est vachement bien. Enfin, même si c'est pas incroyable, c'est bien. J'imagine qu'on aura besoin d'écailles de poisson, d'arêtes de poisson, mais là pour l'instant on peut pas le faire. Oh, un yanche. Cédric, te voilà. Ben, on a trouvé. Direct. Cédric, oh Cédric, plus jamais, je ne t'abandonnerai. Cédric ! Je ne dis rien. Attends, tu veux dire que Cédric est un jouet ? Ah, c'est un jouet ? Ah, comment oses-tu ? Il est tellement plus qu'un jouet. D'accord, quoi qu'il en soit, nous devons trouver un autre moyen de sortir. Oui, cette grotte est horrible, Mumrik, sors-moi de là. On va toujours faire chier les crabes, hein, de toute façon. Incroyable. Solarus, aïe aïe aïe. De l'argent. Trésor. Attends. Un piège. Ça je connais. En général, il y a un boss après. Le boss des crabes. Je ne vois pas ce qu'il y a de si spécial. Et voilà. Je vous l'avais dit, le boss des crabes. De l'argent gratuit. Oh non! Il a piqué Cédric! Oh non, il va tourner en rond. Mais quel enfer! Je veux pas ça! Je vais devoir l'entourer. Non mais... De l'argent gratuit, oui. Ah mais tiens, je peux vous faire écouter un truc. En parlant d'argent. L'encodeur est en surcharge. Renvoyé à la base. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on dit. Ça m'a fait penser à ça, de l'argent. Est-ce que vous connaissez... Est-ce que je vous ai déjà montré la vidéo de... Il y a un compte que j'ai regardé.
sur YouTube qui a fait le... YouTube est inaccessible, pourquoi ? Il a fait une cover de Money 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 de Lisa. Et en français, c'est archi marrant. Je vais vous l'envoyer. Ah oui, bien sûr, si je tape YouTube Money, c'est normal, je vais pas trouver. Je vois que des gens qui veulent se faire de l'argent. Taper cover, voilà. Il y a les petites pattes de du crabe qui arrête pas de faire de la musique. Alors non, ce n'est pas cette personne-là. En train d'exploser l'ordi. Hein. Excusez-moi, mais je vois le truc, ça rame. J'ai une force. Où est-elle ? Mais. Ah, si, c'est ça. C'est Happy. C'est Happy chante encore. Non, ça, c'est la Lisa, ça. Je trouve pas. Il y a le gars là qui arrête pas de se mordre les lèvres qui me stresse. Ah mais non, ça existe plus. Non. Ah si, non. Non. Oh, j'aurais dû la télécharger. Peut-être que je l'ai téléchargée, remarque. Ai-je fait ça? Ai-je gardé ce truc? Mais oui, je voulais l'utiliser en plus. Attendez. Je l'ai déjà fini. Cette vidéo, là, nulle. Je suis actuellement en train de chercher dans mes dossiers, c'est l'enfer. Désolé pour le stream. Mais comment je range celle-là, vidéo, voilà. Normalement, il y a Lisa, quelque part. Animation. Comment j'ai mis une vidéo que je voulais vous balancer dans la tête. Ça faisait partie des potentiels subs. Alors attendez, parce qu'il faut que je cherche où c'est. J'ai mes affaires, ça se voit. Ouais, c'est pas dans vidéo, c'est bizarre. Normalement, c'est dans animation, alors du coup, si c'est pas là. Ah, dans Drama N, c'est parce que j'ai pas rangé et après tout s'est mis là-bas, c'est ça? Non. Mais si, y'a. C'est le bordel. Mais oui. Après, y'a du natif. Qu'est-ce que c'est le natif? C'est quoi? Non, c'est pas ça. Ah ouais, après il y avait aussi le bordel du côté des emotes. Ah ouais, non, laisse tomber. Je cherche les midi à 14h, désolé. Pas que c'est pas là. Il y a pas de vidéo là. Ah, je suis dégoûté. Je trouve pas du tout. Cette vidéo que j'aurais dû garder. Ah non, peut-être alerte, tout simplement. Suis-je bête? Sub.
Alerte sub, est-ce que c'est ça? Je regarde vite fait, excusez-moi. Je fais exploser l'ordinateur, je reviens dans 2 minutes. Ah non, c'est bah, voilà, c'est exactement celle que je voulais vous montrer avec avec Steven Yeun. Du coup, voilà. Mais en plus, je l'ai mis en commande en plus, je crois. Elle est déjà dessus. C'est ça qui est étrange, c'est que je ne sais pas pourquoi. Regardez du côté de 12 bis parce que normalement elle est déjà existante comme truc. Normalement c'est vidéo. C'est pas vidéo. C'est non utilisé. Je me rappelle l'avoir eu en tête H24. J'ai fait chier tout le monde cette année avec de l'argent. Pourquoi je l'ai pas là? Il y a forcément un truc avec Lisa en plus. C'est ça qui me stresse. Tout est trop rangé là, je vois. C'est trop rangé pour moi. Bon allez, je vais jamais trouver. Piste. J'abandonne. Je vais aller du côté de la chaîne. C'est le dernier truc qui peut potentiellement fonctionner. Elle était tellement bien sa cover, pourquoi il n'y a plus. Ah mais si, c'est bon. Mais non, mais c'est la Lisa encore. Désolé, c'est une chanson de Blackpink, hein, donc le temps que en plus ça fonctionne là, c'est... Oh. Bah, c'était beaucoup quand même. Fragile. Je savais même pas qu'il y avait une chanson qui s'appelait Antifragile de Seraphim. Alors je regarde vite fait, je cherche Lisa. Lisa. Mais elle était trop bien, pourquoi elle a été disparue? Mais non! Mais faut pas enlever vos meilleurs covers. Plus deg. Je l'ai pas téléchargé, je suis vraiment dégoûté. Oh là 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 là! Ah, ça se trouve, elle est dans ma clé USB. Peut-être qu'elle est pas sur. Bon, allez, j'abandonne. On est dans la galère. Mais attends! J'allais kill the app. Alors je vous ai dit que les diagonales n'existaient pas. Je suis actuellement en train de souffrir. Eric, pardonne-moi, je t'en prie de t'avoir laissé tomber, je veux dire. Perdu. Ah, Cédric, quel bonheur d'avoir obtenu ton pardon! C'est un peu les deux, c'est un jouet. Un jouet en forme de hirsch. Et plus qu'un jouet. Pour Sniff. Et on continue, hein. Du coup, faut sortir.
Non mais attendez, j'ai traversé le truc, c'est fini là? Je suis sûr qu'on a oublié le tambourin à l'intérieur. Tellement je suis nul à ce genre de truc. Je trouve toujours les bons chemins. Pourquoi ça arrive qu'à moi ça? C'était moins une. Merci mille fois pour ton aide. Ne vous perdez plus de vue maintenant. On a fini la quête trop rapidement alors que il y avait masse de salles qu'on n'a pas faites. Ah, mais Cédric voudrait te donner ce compagnon. Il n'a pas du tout le charme et l'impulsivité de Cédric, mais c'est un gars structuré en qui on peut avoir confiance. Oh, merci à tous les deux. Il nous a donné l'émule. Un objet étrange qui défie toute explication et toute logique. Vas-y, bon, on rentre dedans. Et on refait le tour. Ah. Bonjour Terestrine, ça fait un moment, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Allez voir Terestrine en stream. Ah bah. Oh le vieux truc que m'a fait 12 bis. Attends, je te shoot tout en real life. Alors du coup, c'était quoi votre petit live du jour? Enfin, petit live, long live. Est-ce que c'était encore le jeu... Ah, je m'en rappelle plus du nom. Que j'aimais bien, que j'avais essayé, que tu m'avais conseillé. Il y a un moment maintenant. Salut Wamgigi, tu fais partie de... Alors, je vais faire les shoot-out parce qu'il y a du monde qui stream aussi après. Voilà, de Sky, exactement. J'espère que ça c'était bien. C'est un moment que je n'y ai point joué parce que j'avais besoin de place pour faire des vidéos par téléphone. Du coup, j'ai loupé plein de mises à jour. J'espère que c'était cool. Et bah exactement, nous aussi on est dans un jeu de chill. Sauf que bon, on a compris que Mumric était un peu... militant écologiste décolonial. Pour l'instant, on va voir ce qu'il peut faire. Sky fête ses 5 ans, nouvelle saison avec une contrebasse. Non, c'est pas vrai. Et du piano. Alors le piano, j'imagine que c'est la musique qu'on entendait le plus souvent. Je comprends. Le jeu est sorti sur le PC le 10 avril. Dernier, là. Il est très très beau, le jeu, ouais. Et bah ça va te faire kiffer parce que c'est de la musique aussi. Anarchotoïde, exactement. Alors du coup on était passé par là, je sais même plus. Là on essaye de... On revient dans son OPA parce qu'on a... On a trouvé directement la sortie. Et du coup il nous manque des... peut-être des trucs à débloquer, par exemple ces araignées. Allez dodo! Oui, 10 avril dernier, j'ai mis Wamgi dessus. Ah bah ouais, normal. Et du coup, on peut jouer en multi toujours sur le jeu. Oh, la classe. Salut Inamori. Et salut Wamgi. Du coup, dans 3 secondes, je vous fais un shootout. Je sais pas si le shootout est passé. Dites-moi. J'ai perdu mon chat, je ne comprends plus. Je vois Twitch chat, mais je ne vois pas le chat official de... passé, t'inquiète. Ok, alors du coup je vais faire... Il y avait Bichette. Bichette, je te fais un shoot-out. Et voir Bichette aussi. Des jeux plus compliqués que Sky ou Moomins, hein, quand même, chez Bichette. D'ailleurs, j'ai vu le débat Europa Universalis, qui est un peu complexe. Ce que j'ai vu. N'empêche, Sky est sorti sur PC 4 jours après mon anniversaire, c'est beau, la chance. Ça, c'est vrai que j'avoue. Non mais ça, c'est un très bon jeu. Merci encore Terestrine de nous avoir fait découvrir ce jeu-là. Et ouais, vraiment très bien. Tout doux. Ça accompagne bien les journées et tout, c'est cool. On repasse dans l'autre sens. C'était vraiment pour les points, là. On est revenu pour les points. Et Wamgi qui stream aussi. Alors du coup, tu vois, je pense qu'il faut patienter un tout petit peu pour le shoot-out Wamgi. Et Wamgi, t'as fait un live la dernière fois, je sais plus ce que c'était. N'hésite pas à me dire. Parce que là, j'ai plus en tête. Et j'arrive même pas.
J'arrive même pas à faire fonctionner Twitch chat normal, donc on va faire comme si j'avais pas remarqué. Hop. Non. Rien vu. C'est le Inamoriversaire. Ouais, en plus t'as reçu des personnes récemment au MGI en plus, je crois, de mémoire. N'hésite pas, hein, si tu veux en parler. Faut qu'on aille voir le monstre en bas, mais on n'est jamais arrivé encore. Même plus. Non, c'est pas grave. En Itolo, Wamgi. C'est un peu ça, ouais. Je vais plus retrouver le chemin pour la sortie. Toujours cross-platform depuis le début. Donc du coup, il est cross-platform même avec le PC. Ça, c'est classe, quand même. Jouer sur ton téléphone et sur ton PC avec des gens à rencontrer. J'avoue. C'est vrai qu'en ce moment, c'est taf, taf, taf. Là, je suis sur une semaine de pause, mais normalement, c'est des lives... Alors, ouais, les lives orientés biodiversité ou écologie, ça, je sais. Mais oui, t'as invité des gens, et je crois, récemment. Quand je peux, qui s'y connaissent mieux que moi sur les sujets que je maîtrise moins. Des assos et des personnes engagées aussi. Oui, oui. Allez voir Wamgi. Je sais pas si vous ne connaissez pas. T'es dans une période difficile. Bah, non, mais t'inquiète, Sniff, tout va bien. Nous, on doit aller voir le monstre. Enfin, je pense que le monstre va soit manger des algues, soit va avoir envie d'un truc. On doit voir le monstre qui est juste en dessous de nous. Ils l'ont appelé comme ça, hein, je précise. C'est important, ouais. N'hésitez pas à vous shootout aussi solo, hein. Vous avez la possibilité, hein. Avec... je l'ai mis en automatique, là. Je sais plus c'était quoi, déjà. Point SO. Et après, vous mettez le at. Et vous pouvez shoot-out les... de vous-même, si vous voulez. Pareil pour les avertissements. Mais là, il n'y aura pas d'avertissement, vu que c'est nos mints. Mais, bon. Si jamais il y a un truc qui vous fait cringe, vous pouvez déclencher l'avertissement. Et il y a une liste qui s'ouvre avec vos propres avertissements pour les personnes qui risquent d'arriver par la suite. Donc pour vous aussi. Bon, j'arrive pas à descendre, mais on va descendre. Hein. Je comprends pas comment on a pu partir par en haut, arriver par en bas. Mais... ok. On est pas... Ah non, on est passé par là. On va aller par là, parce qu'on était... Donc, je crois qu'on est descendu à gauche. On va aller vers la droite. Mais là, on va vers la maison des moumines, je crois. Alors, mais, voilà. C'est nous, Dubois. As-tu vu Moumine le troll? On dirait qu'il est allé sur l'île des Atifnat. Et bien sûr, regardez bien. Je me suis caché derrière un arbre. On voit que mon œil et un bout de chapeau. Papa Moumine, il tient son goût de l'aventure de moi. Ne sois pas étonné si tu trouves mon bateau là-bas. Allez, viens donner un coup de main à un vieil homme. Oui, bonjour. Oh, c'est moi qui fais les mouvements. Pourquoi ça fait un bruit? Ça fait un bruit de machine. De tronçonneuse, c'est pas... c'est pas exactement le même truc, hein. Mais quelle heure, parce que j'arrive pas à voir. Alors, 15h39. Ah ouais, quand même, ça fait un moment de stream, quand même. 3h30. Et déjà, j'ai fait une heure de trop. De d'habitude. J'ai fait de l'apprentissage des cris d'oiseaux, parfois. Alors, ça, j'ai pas vu chez Wamgi. J'avoue que je regarde les replays, plus. Prenons quelques bûches. Merci beaucoup. Ok, on a un tréteau. Piège de bûche, ok. On a ça, la bûche, ok. Oui, c'est très certainement un morceau cylindrique de bois, c'est vrai. On a tout pour le bateau. On n'a toujours pas trouvé les vêtements de Nini. Il manque la corde du monstre marin, mais la corde du monstre marin, il faut aller voir le monstre.
Et on n'a toujours pas le tambour, hein, ça me stresse un peu, je vous avoue. Ah oui, mais c'est le dernier instrument. Ah oui, mais c'est normal alors, du coup. Maman Moumine, est-ce qu'elle nous dit quelque chose? Sur l'île des Atiflates, seul, s'il te plaît. Retrouve-le, ça ne me plaît pas du tout. Ok. Ouais, il est très très joli le jeu. Je vais regarder la carte. Tout en aquarelle. On est trop bas. Et là, ils disent qu'il y a moyen de passer par ici, mais... C'est sûr que c'était lui qui nous donnait le monstre. La corde. Bon, allez, on remonte. Et il paraît qu'il y a des chemins. On va regarder la carte de temps en temps. Là, il faut remonter tout droit. Et n'oubliez... Alors, sachez que ce jeu, on peut faire la sieste dans ce jeu. Et ça, c'est pas dans tous les jeux qu'on peut faire la sieste. Hein. C'est forcément le meilleur jeu, déjà. Je tourne à droite. À gauche. J'ai déjà fait ça tout à l'heure et il y avait les crabes là. Et on avait besoin du tambourin. Ah ! Tambourin, encore. Ça, je sais faire. Voilà les fourmis. Kiffez, kiffez. Kiffez les fourmis. Encore un champignon, super. Je sais plus à qui on doit donner, mais... Ah, il est en bas. Quel est le problème? Ma gorge me fait terriblement mal. Probablement à cause de cette corde attachée autour de mon cou. Vous voulez bien m'aider? Je promets de ne pas vous déranger. De toute façon, je ne pourrai pas vous avaler. Avec cette corde autour de mon cou et tout le reste. C'est pas rassurant. C'est rassurant. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, alors du coup, c'est... Tu sauves les animaux, tu les aides. Tu peux faire en sorte que ça se passe bien. Je vais d'abord remettre cet œuf là. Et le truc, c'est de rétablir la nature. Donc là, il y a des parcs qui sont gérés par des keufs. Et le but... C'est de les embrouiller. Tu fais quoi avec la corde, hein? Tu dois être là. C'est de les embrouiller pour que les parcs redeviennent nature. En tout cas, il est très doux, donc ça se joue bien. Et je vous invite vraiment à voir aussi les œuvres de Tuff Johnson, du coup, pour les Moomins. Sont vachement bien aussi. Les persos sont très 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 facilement caractérisés et très agréables à lire. Après, ça devient âgé dans le sens où ça fait un moment quand même que c'est sorti, mais les sujets sont bien. Bien traités, et même pour l'époque, c'est toujours bien. Bonne suite de stream et bon après-midi. Merci Wamgi d'être passé, c'est cool. Y aller. On a besoin du bateau perdu maintenant. Est-ce qu'on peut trouver les vêtements d'ailleurs? C'est là les vêtements? Ok, on va récupérer les vêtements de Nini. Merci de suivre, Inamori. Alors sachez que je suis en pause, hein. Là, c'est juste que je fais de l'autoréduction de travail. Parce que je suis solo. Parce qu'on prévient pas. Et Alors non, je ne veux pas. Je vais te ban. Attendez, je ban. Et vous voyez, vous avez vu le message ou pas? Non. J'ai dit non. Il a été automode, donc du coup je peux le bloquer. Ouais, c'est ça. Bannir l'utilisateur. Want to see her naked? Les gens, ils font tourner les... Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi signaler? Oui, spam. Voilà, nudité ou caractère sexuel, c'est explicite. C'est exactement ça, mais après, c'est surtout un spam. Alors du coup, je sais plus.
Contenu à caractère sexuel, oui, c'est ça. Maintenant que Petite Bulle est passée pour me dire oui, faut faire les contenus. Faut quand même faire les. Faut expliquer quand même. C'est bon, je l'ai fait là ou c'est faut que je le refasse? Je comprends rien, Twitch, vous êtes nuls. Partage d'images privées, je pense que c'est ça. Spam. Spam bot de cul. Je vais l'écrire comme ça. Voilà, salut. J'espère que tu comprends bien. Ah, faut que j'envoie par mon mail. Bon, allez, niquez-vous. Ça y est, j'ai bon. Bah, bonne bouffe, en tout cas, Terrestrine. Merci du raid. Et n'hésite pas, si tu veux rester dans le coin, ou partir, comme tu veux. N'hésite pas. On est à côté, à droite, cette fois-ci. Bah, non, mais moi ça me dérange pas, c'est juste qu'en fait, j'ai du mal à gérer l'automode, dans le sens où y a eu beaucoup de gens qui se sont fait ban, pour pas grand-chose. Et là, depuis peu, j'ai enlevé des trucs, et donc du coup, je veux savoir ce qui est visible pour vous dans le chat, ce qui est visible sur l'image du chat, et voilà. Donc en fait, la question c'est, parce que je sais qu'il y a plusieurs filtres de modération, qui les ai mis en place. Mais par contre, c'est un problème dans le sens où maintenant je sais pas exactement si ça passe à un endroit, si ça passe pas à l'autre. Par exemple, le chat peut laisser passer des choses que l'automode a bloqué. Enfin bref, voilà. Ce genre de bêtises. Peut-être passer par en haut. J'ai l'impression que c'est mort. Il faut avoir le tambourin pour avoir les affaires de Nini. Ça dépend. Moi, j'ai eu de la facilité sur la modération dans le sens où j'avais déjà mis en place le principe. Ah ! J'avais déjà mis en place plusieurs niveaux de modération. C'est-à-dire plusieurs bots de modération. Je les testais de toute façon. Je te ramène chez toi en fait, on va aller à la ruche là. J'avais mis en fait j'ai testé tous les bots de qui existaient pour pouvoir spam. Pour éviter les spams, pour éviter les gens, etc. Et du coup tout était beaucoup bloqué au début. Ça fait un an et demi maintenant que. J'ai un peu ouvert le truc, sauf qu'il y a des trucs qui passent et d'autres trucs qui passent pas, quoi. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Je devrais peut-être vous inviter à vous asseoir. Ramusqué. Une invitation, je suppose. Alors... Si seulement j'avais des chanterelles et un cèpe, je pourrais faire un ragoût. Vous pourriez peut-être m'en trouver. Bien sûr, un ragoût me semble une bonne idée. Oh, vous en voulez aussi? D'accord. J'en ai trouvé. Donc en fait, ça faisait une sorte de... je crois qu'il me manque une chanterelle, je crois. Donc du coup, l'histoire de la modération, c'était un peu plus simple, parce que moi, je suis parti de tout bloquer le chat pour pouvoir le libérer au fur et à mesure. Donc du coup, je sais ce qui passe et ce qui ne passe pas. Mais par contre, là, depuis un moment, j'ai utilisé le chat de StreamerBot qui me permet de gérer les automatisations du stream. Et de pouvoir ne pas utiliser un deck à 500 balles, mais un truc à 50. Et du coup, le truc, c'est que... c'est qu'il y a des choses, par exemple, qui sont plus complexes à gérer. Par exemple, là, le chat, c'est quelqu'un qui a codé un chat pour pouvoir que... Il y a des passages, sauf qu'il comprend pas il fait pas le dialogue avec Wisebot, par exemple, ou d'autres trucs, Nightbot et compagnie. Donc, il a sa propre liste de blocage, et par contre, cette liste de blocage-là, elle est créée par moi,
ou celle que j'ai que une liste que j'ai trouvée et donc que on va devoir aller là. Et donc c'est une sorte de blacklist. En fait, toutes les personnes qui utilisent ces termes-là, bah, c'est mort. C'est la liste que j'avais déjà mis en place pour sur les autres robots. Qui comprend aussi des emojis d'ailleurs. Je vous précise, c'est des emojis qui sont en général utilisés par des fachos sur internet, donc ça va vite. Voilà. Et donc un système de ban qui est aussi de mon côté automatisé. Ouais, de souffler. Et par contre, il y a des trucs qui se cassent de temps en temps. Par exemple, le shot-out là de Terrestrine a été cassé, par exemple. Donc, du coup, on a vu son nom. Et là, il y a une de ses œuvres là. On a pas vu ça. On a vu son nom, mais on n'a pas vu tout le reste du texte. Donc normalement, il aurait dû avoir le titre et tout ça. Enfin, bref. Voilà. Des trucs à corriger, quoi. Imaginez que j'ai un peu tout fait à la main, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais j'ai été patient avec moi-même. Non mais après ça arrive, il y a des petits trucs, c'est normal. Mais tu vois, par exemple là c'est pas très grave en soi, parce que je peux le faire d'une autre manière. C'est juste parce que par exemple pour Terrestrine, ça fait un moment qu'on se check sur Twitch. Et par exemple Terrestrine a son propre shot-out déjà de base. En fait au début j'avais commencé en faisant pas des shot-out automatiques, mais tout le contraire. C'est-à-dire en écrivant ce que moi j'ai vu en tant que spectateur là-bas. Tu vois. Et je trouve un peu plus fun. Est-ce que c'est ici? Le vieux bateau de papa? Ah non, c'est bon. Bah oui et non. Ça dépend. Ça dépend de qui et quoi. Ce que t'as besoin de faire. Là, par exemple, StreamerBot, il me permet de faire énormément de choses que plein de robots font. Et c'est juste un logiciel qui est partagé par plein de gens, en fait. Avec des codes que je peux récupérer. Des gens qui se tapent la tête sur leur clavier pour pouvoir... faire des trucs un peu simples, mais en fait qui sont compliqués à faire avec d'autres robots, et en fait ils ont juste à copier-coller le code et je le récupère. Voilà, on peut se partager le truc, ça c'est archi bien. Ça c'est vachement bien. Par exemple, l'histoire de la blacklist, par exemple, ou le système d'avertissement que j'ai mis en place ici, ça je l'ai pas trouvé, j'ai du mal à le trouver, ou je l'ai pas trouvé du tout. Du coup, je l'ai mis en place moi-même, donc en fait c'est assez simple. Vous écrivez un mot, ce mot-là rentre dans la liste est envoyée en automatisation toutes les 2 minutes ou un truc dans ce style. C'est pas très compliqué à faire, mais si vous avez vraiment du mal à le faire, moi je peux vous envoyer le code et c'est easy quoi. Tu fais la chasse au trésor sans moi. Ce qui permet, moi je trouve, un truc pas mal aussi, c'est un avertissement qui est modulable selon vos propres critères. Par exemple pour Fallout, c'était simple, moi j'y ai jamais joué, il y a plein de gens qui ont joué. Et du coup, les trigger warnings, les gens le savent, tu vois. Je cherche Moumine le troll. Indéniablement, une carte au trésor. Je viens avec toi. Je préfère voyager seul. Ça pourrait être dangereux. Essaye de garder le trésor rien que pour toi. Tu vas le regretter. J'ai le radeau. Je me barre. On peut manger un anka à côté du feu du rat musqué. Ah mais du coup c'est juste ça augmente notre endurance. Vous voyez ça, ce jeu c'est Wind Waker. Vous allez pouvoir t'accaparer le trésor. Et vraiment Wind Waker, incroyable. Ça commence comme ça, hein, Zelda. La ref est là. Hein. Tout est de ma faute, ta faute. Quoi? Tu devrais être heureuse que nous ayons réussi à sortir indemne. J'espère que c'est aussi le cas pour Moumine le troll.
périple à l'île des Atifnates. Bon, ouais, franchement, vraiment très bon premier jeu pour les personnes qui commencent à jouer. Vachement bien. C'est vrai que je regarde l'âge, mais je pense que c'est 3 ans et plus. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe avec les robots, là? T'as été ban, toi aussi? Ouais, il se botte ta ban. C'est parce que j'ai dépassé les 2h30, donc du coup, je suis quelqu'un de vivant, c'est ça? Ouais. Je suis passé en lurk. Bah bon, merci beaucoup d'avoir été là, Namoré. Merci pour le lurk, hein, n'hésite pas. On le voit sur le retour. Ah, donc c'est bien ce que je pensais. Ouais, Icebot ne le fait pas. En fait, ça me choque pas. Ça me choque pas plus que ça. Le bateau de Papa Moumine. Il a perdu sa voile. Je m'occuperai de ça après avoir trouvé Moumine. Tu devrais revoir un peu tes priorités. Je prends le trésor pour moi. Bonne chance pour trouver ce Benet. Benet ou Benet d'ailleurs? C'est Benet, je crois. Bateau perdu. Y'a que des niveaux 5 et niveau 6 de tambourin, mais on n'a pas de tambourin, nous. Ah, une algue. Je prends l'algue. On peut pas prendre l'algue. Oh. Là, y'a pas les touillettes. On peut pas prendre l'algue. J'ai eu cette cicatrice sur le visage lors d'un combat féroce. La rumeur dit qu'il y a un bateau pirate dans les environs. Tellement je savais comment utiliser une longue vue, je pourrais chercher le trésor. J'avoue, n'ayant jamais eu de longue vue dans la main, je soupçonne une difficulté qui pourrait être juste agrandir la longue vue. Ah bah tiens, il y en a une. Incroyable. On va descendre d'abord. Pourquoi j'ai l'impression qu'on remontera jamais là-haut? Ouais, ça a l'air d'être ça, là. On va s'enfermer dans le... On va... faire comme dans Assassin's Creed, ouvrir la map. Ah bah c'est pratique. Et on va avoir le droit à un zoom en plus ou pas? Un bateau pirate. Petite Mue avait-elle donc raison à propos des trésors? Le bateau ne peut plus naviguer, mais la voile semble intacte. Nous pourrions peut-être nous en servir pour préparer le bateau de papa Moumine. J'arrive plus à parler, faut que je boive. Je crois qu'on va finir le jeu. On sait partir dans... pas longtemps, normalement. C'est un peu le secret de mon calendrier, j'avoue. Niveau supérieur, niveau 6, super, il nous faut le tambourin maintenant. Un truc derrière, c'est sûr. Il y avait vraiment de l'espace. C'est là qu'on apprendra à la fin du jeu qu'on peut se déplacer avec la souris pour la caméra. Le secret de Monkey Island, par contre, il est dur. Hein. En vrai, il est archi dur. C'est pas le début de jeu. Tiens, les Atifnates là. Pourquoi je devrais passer par là? Ah, c'est pour les points. Du coup, je me pose la question de la version non-streamer des sons. On sait qu'ils mettent quoi comme style de musique? Du rap des années 90?
Ou du productif, là. Ah, par contre, moi, je veux ça, là, le truc, là, derrière. Possible d'avoir ça, ce serait pas mal. Oh non! Ah, c'est pas vraiment dans cette direction. Le trésor sera bientôt à moi. Ah, il y a le pirate là-haut. Pratique. Ah, faut le tambour hein, pour réveiller, mais ça veut dire que je peux plus revenir en arrière là. Quel enfer. Ah non, c'est bon, c'était le raccourci. C'était un raccourci, d'accord. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et après, on a tourné là. Ça, ça bougeait, donc du coup, ça, je l'ai pris. Ça, c'est bon, du coup. Marrant, parce que dans... Les arbres, je suis même pas sûr que ça aille vraiment ensemble. Comment va la chasse au trésor? Comment va l'absence totale de sens de l'aventure? Ok, ok, ok. Bon, on se dit 28 minutes et après je bouge. On finira demain, parce que demain je stream aussi potentiellement. Ouais, 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 mais moi j'aime bien ce perso, c'est pour ça que... je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps de jeu hein, en vrai pour demain, mais c'est pas grave. J'ai peur de te mouiller les pieds, typiques pour un crabe. Essaye d'utiliser les tonneaux pour traverser. Ouais, mais ça passe pas partout aussi vos tonneaux. Hein. Ah, tu t'es enfin décidé à m'aider. As-tu trouvé le trésor? J'en suis si près que je peux le sentir. Oh, ce n'est que toi. Carrément. C'est sympa. Et j'ai pas besoin des tonneaux, hein, d'après ce que je remarque hein, pour l'instant. Hein. Là, on est revenu au début, j'ai l'impression. D'accord, j'ai compris maintenant. Faut que je me laisse porter par les tonneaux. Comment je peux aller jusque là? D'accord, ok. On va se bloquer la route. Thank you.
Monter par là, je sais même plus. Non. Ah oui, on peut faire dodo. Trop bien. Bon. Il est actuellement 16h05. Pas tarder. Je vais pas tarder. Je suis désolé, hein, moi j'aurais. On aurait pu aller jusqu'au bout. Mais. Là, il y a d'autres impératifs que le travail, vous savez. Genre la vie à l'extérieur. Éviter les JO. C'est autre chose. Je vois pas jusqu'où je vais aller. En fait. Ah bah là. Logique. Pour l'instant ça va. J'arrive à passer entre les gouttes. As-tu perdu tout espoir de trouver Moomin le troll? En fait j'arrive à passer entre les gouttes dans le sens où je suis sous terre quand je traverse quoi. C'est déjà nimple et ça n'a pas commencé. Ah non mais laisse tomber. Laisse tomber. J'ai vu les trucs, c'est... Oh, c'est très très grave. Hein. Là on va... Là il y a tous les syndicats et autres syndicats privés de proprio slash commerçants qui est en train de dire hey, je comprends pas. On n'a pas assez d'argent. Amateurs de plantes, s'il vous plaît, les Atifnats ont besoin de votre aide. C'est-à-dire que j'ai déjà une mission à mener. Je dois trouver mon ami Moomin le troll. Moomin le troll, vous dites? Il était justement ici pour m'aider. Mais je crains qu'il n'ait échoué. Je ne l'ai pas revu depuis. Où est-il allé? Dans le parc, pour convaincre le gardien du parc de rendre le baromètre. Le baromètre? Je comprends strictement rien. Eh bien, essayez de suivre. Le gardien du parc a construit un parc hideux au beau milieu des territoires des Atifnats, enfermant ainsi leur baromètre sacré à l'intérieur, leur totem, ce qui est le plus précieux. Cela fait un moment maintenant et Moomin le troll n'est pas revenu. Il a dû lui arriver quelque chose. Et le baromètre aussi. Ok, on va chercher Moomin et le baromètre. Donc ouais, je vois ça de loin, comme vous en fait, c'est assez rigolo. Alors qu'en fait, je devrais le voir tous les jours. Mais vu que je suis en sous-sol, pas de problème. À part les gens blindés... Ça change pas de d'habitude. Qu'on va finir le jeu. Ils ont fouillé toute la zone, ils sont probablement à la recherche d'un trésor. Aucun respect pour les pirates professionnels. On a toujours pas le tambour. Hein. Ah bah ils sont là. Ah ouais carrément. Ah ouais carrément. Moomin est venu ici tout seul, j'espère que ça n'arrivera pas. Bon bah ça va aller vite. Hein. On peut les endormir maintenant. Bah, tu... Attaque flûte. Ouais, le Covid, ouais. Alors là, laisse tomber. L'histoire du Covid, c'est... Il n'y a plus personne, de toute façon, qui avait le masque déjà dans les transports. Ça me fatiguait déjà. Il y a du people en cage, là. Thank you.
Ah bah non. Ah mais c'est du... T'es vu, t'es pris. Oh, c'est nul. C'est... Ah mon dieu. Attaque. Combo. Je suis dans ton angle mort. Ouais, l'autre jour, un pharmacien m'a dit que c'était bien que je le portais tout en ne l'ayant pas lui-même. J'ai sorti ma meilleure poker face pour pas lui demander pourquoi il en portait pas. Tu m'étonnes. Non, mais c'est très grave. Hein. C'est très très grave. Surtout qu'en plus, il y a de plus en plus d'images de gens qui se protègent pour les JO, etc. Enfin bref. Hein. Bon, le Tour de France, là, apparemment, c'était ça. Hein. Quand même. Les gens commencent à tomber aussi sur les... comment ça s'appelle? Les images de tournage de vidéos, photos... cinéma... ce genre de trucs-là. Et en fait, toute l'équipe est masquée, sauf les acteurs, en fait. Donc du coup... tester. Bonjour, comment allez-vous? Je suis tout à fait pris au piège dans une cage, merci pour la question. Comme tous les autres animaux ici. Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Ouais. Eh bien, vous pourriez commencer par bousiller ce parc et me libérer. Je les ai vus cacher des objets sur certaines de ces statues hideuses. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose d'important. Mais ça se trouve, on aura fini le jeu. Hein. Ça doit être le baromètre des Atifnats, des bris de verre et des signes de lutte. Si le gardien du parc a touché ne serait-ce qu'un cheveu de la tête de Glabre, de Momine le troll. Glabre. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ce mot. C'est un enfer, exact. C'est un enfer. Et nous condamnons, bien entendu, hein, bien entendu, on condamne cette reprise de force de la nature. C'est bon, donc du coup, ça c'est bon. Les Atifnats ont l'air contents. On ne peut pas aller par là, trop de Atifnat. Au long to beat dit 4 heures, donc je pense que ça risque d'être un peu court pour 16h30. Il y a marqué 4h08 de live. Les Atifnats ont retrouvé leur bonhomme. Prenez ce tambourin en signe de ma gratitude. Ah oui, du coup, ouais, non, on a tout le passage du tambourin à faire. Donc je pense que c'est mort. Déjà, on a trouvé le tambourin. On va devoir revenir dans l'autre sens. Bien. J'espère que vous allez mieux maintenant. Je suis censé vous connaître, à mes yeux vous avez tous la même tête. Peu importe, profitez bien de votre liberté. Vous aussi. Maintenant le bateau pirate. Ton.
Je sais pas, une EPJ, je peux rien condamner. Ah. Ah là 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 là. It's true, it's true. C'était quoi que j'ai fait moi? Alors attends. Oh, j'y arrive plus. J'arrive pas avec les rythmes, je suis nul. Hein. Non. Ah, je m'en rappelle plus. Ah, oh, je suis nul en rythme, c'est grave. Pourquoi j'ai essayé de jouer à Patapon dans ma vie un jour? J'y arrive pas. Tain, tain, tain. Parce que là, tout à l'heure, j'ai fait... Tain. C'est le truc de manif de base, là. Nul. Et du coup, c'est... Ouais, alors j'y arrive pas. Parce que j'arrive même pas à avoir la tête, le truc dans la tête. On le fera au pire demain, faut que je travaille. J'y arrive pas du tout en réalité. Et j'étais pas loin en plus. Par l'autorité que je me suis conféré moi-même, je vous emmène pour être incarcéré dans la vallée des Moomins. Tu as vu ça? Oui, le gardien du parc vient d'arrêter ce pauvre Moomin le troll. Non, pas ça, je parle du bateau pirate. Ah, c'est bêtis, je dois aller chercher Moomin le troll d'une façon ou d'une autre. Exactement, mais sans voile, le bateau de papa. Ouais, il y a eu très bonne voile sur ce bateau, et très certainement un trésor tout à fait convenable, alors si on faisait équipe. L'équipe qui s'est démantelée tout de suite. Binôme! T'inquiète, je te ralentis pas, regarde. Je t'accélère même. Je crois qu'en fait j'arrive pas avec, avec les vitesses et les temps. J'arrive pas à les garder en tête. C'est moi le cerveau de cette opération, tu es censé en être... Je suis en train de réfléchir à pourquoi j'y arrive pas. Voyons voir au niveau du rythme. Bref. Ah, il faut des touillettes. Des touillettes. Ouais, regardez dans cette petite grotte. Je m'en occupe. Toi, t'es beaucoup trop gros de toute façon. Vas-y! Tu fais quoi, là? D'ailleurs, on n'a pas sauvegardé, mais il faut sauvegarder, peut-être? Non? Faire quoi avec ça? Faire tomber sur elle? Faut deux au moins. Je peux pas venir, c'est ça? J'ai break le jeu là. J'en ai mis un et ça passe. C'est ça l'histoire? Besoin que d'un, je suis pas sûr. Hein. Ouais, t'en as besoin que deux. Du coup, je me posais la question, mais comment on sauvegarde en fait dans ce jeu?
Alors attendez. Ah, j'y arrive pas! C'est grave ma vie, c'est très très grave. J'ai tenté, j'y arrive pas. Ah bah tiens, si, là. Ah, j'ai bien fait de passer par là, on a besoin du truc là. Alors, c'est un peu le jeu. Hein. Bon, quelle heure il est? 16h20. It's indeed the time to finish the game. Je pense que peut-être quand on arrivera au bateau, on s'arrêtera là. Merci les touillettes! C'est très gentil de votre part. Vous pouvez partir si vous voulez. Bon chemin. J'en peux plus, je trouve toujours bon chemin. Je fais des trucs insensés avec le jeu. Je vais prendre un bout de pierre là. Vous êtes sérieux, sérieuse? Ouais, carrément un raccourci, super. En bas là, il n'y a pas un truc en bas. Non, c'est... Ça c'est uniquement. Alors attendez. Ça marche bien en plus avec le soleil, avec la lune. Bon allez, on continue. On va faire ça sur comment ça s'appelait le jeu avec Donkey Kong là aussi. Ah, un touillet. Quoi ici? J'ai pas vu moi le dessin, il est où le dessin? Oui, ici. Ah oui, d'accord. En fait, c'était pas ça. Alors, attendez, je vais le réveiller. L'enfer. Fallait pas me donner un tambour, hein, je crois. Je vais y arriver. Je vais y arriver à chaque fois. Elle a un peu l'attente, la petite mue. Vas-y, viens. T'inquiète. Thank you.
C'est le meilleur instrument, j'avoue. Et il y a le en haut aussi. Ah oui, d'accord. On va y arriver avant 30, ça va être bien. Ah, attendez. Bon, c'est tout. Je vais redescendre. Ah oui, c'est juste pour passer, ok. Merci. Je vais pas y arriver. Je sais pas si on peut sauvegarder. Mais on va devoir y aller. Je vais devoir y aller, non. Je vais devoir y aller. Eh, il reste quoi, 26 minutes? Alors attendez, 2 secondes, je... Thank you.
Je suis mute depuis trop longtemps, bon on y va, hein. Salut, ça a sauvegardé. J'ai joué tout seul, sans vous. J'avais pas mis la cam non plus, incroyable, c'est pas grave. On va voir Sandwich, voilà. 4 personnes bannies chez vous, risque de rejoindre le raid. Bah ouais, mais ils ont été bannis, mais je fais quoi? C'est bien son... Le raid est toujours là ou pas? Oui. Je le vois plus. Je vous fais des cœurs. À demain, normalement. Je devrais stream aussi demain. A plus. Merci Fred d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Merci. À plus.